de Christ notre rocher, en coulée des flots d'eau vive, venez puiser aux sources du salut. Ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Du Christ notre rocher, en coulée des flots d'eau vive, venez puiser aux sources du salut. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Du Christ notre rocher, en coulée des flots d'eau vive, venez puiser aux sources du salut. J'y vais vers la tente admirable, vers la maison de Dieu. Parmi les cris de liesse et de louange et la foule jubilante. Du Christ notre rocher, en coulée des flots d'eau vive, venez puiser aux sources du salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ notre rocher, en coulée des flots d'eau vive, venez puiser aux sources du salut. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance.
Psaume 42. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi le rejeter? Qu'elle soit mon guide. Il va m'élever la sainte montagne. Au lieu de la neige. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Gémir sur moi. Espère en Dieu, je le louerai encore. Mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, des siècles. Psaume 138. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Et je marche ou me couche, tu le sais, mes bras te sont trop familiers. Tu m'en serres, tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je viens et que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et les eaux n'étaient point cachées de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brouillé au profond de la terre, mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparût. Et que tes conseils sont difficiles, incalculables en bien la somme. Je les compte, il en est plus que somme, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu, tu es limpide, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. Et je t'en le Seigneur qui te fait, en égout ce qui se reste contre toi. Je Dieu connaît mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Rends-moi au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, Seigneur. Psaume 146. Louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Tout-Puissant, en lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Il dispense au bétail sa pâture, au petit du corbeau qui crie. Il a rire du cheval du merguet, il a rire du corbeau du terre. Il se fait Seigneur.
Cantique d'Isaïe 5, page 270. Que je chante à mon ami le chant du bien-aimé pour sa vigne. Une tour, il y creusa même une cuve. Il en espérait de beaux raisins, mais elle lui donna du verjus. Et maintenant, habitant de Jérusalem, et chant de Juda, je faire pour ma vigne que je n'ai pas fait. J'en espérais du raisin, pourquoi seulement du verjus? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Soit saccagée, non plus taillée ni cultivée, sur elle épines et ronces. J'interdirai aux nuages d'y laisser pleuvoir la pluie. La vigne du Seigneur Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. Les gens de Juda, il en attendait l'innocence et c'est le sang versé. Il en attendait la justice et n'entend que le cri des malheureux. Seigneur, nous avons péché contre toi, mais ne nous délaisse pas à jamais. En de Saint Hilaire de Poitiers au IVe siècle. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. La force et la puissance de ces paroles du Fils de Dieu enferment un profond mystère. La loi, en effet, prescrivait des œuvres, mais toutes ces œuvres, elle les orientait vers la foi aux réalités qui serait manifesté dans le Christ. Car l'enseignement et la passion du Sauveur sont le grand et mystérieux dessein de la volonté du Père. La loi, sous le voile des paroles inspirées, a annoncé la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, son incarnation, sa passion, sa résurrection. Les prophètes aussi bien que les apôtres nous enseignent à maintes reprises que depuis les siècles éternels, tout le mystère du Christ a été disposé pour être révélé en notre temps. Le Christ n'a pas voulu que nous pensions que ses propres œuvres contenaient autre chose que les prescriptions de la loi. Aussi a-t-il affirmé lui-même: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ajoutant que le ciel et la terre, en tant qu'éléments, seraient détruits, mais qu'aucun des commandements, même le plus humble, ne pourrait demeurer sans accomplissement. Car dans le Christ, toute la loi et toute la prophétie trouvent leur achèvement.
Au moment de sa passion, alors qu'il allait livrer l'esprit, sachant le grand mystère qui se réalisait en lui, après avoir bu le vinaigre, il déclara « Tout est accompli ». À ce moment-là, toutes les paroles des prophètes reçurent leur confirmation dans cet accomplissement. Aussi le Christ affirme-t-il que même le plus petit des commandements de Dieu ne peut être aboli sans offense pour Dieu. Ceux qui rejettent ces petits commandements, il nous en avertit, seront les plus petits, ils seront les derniers et pour ainsi dire sans valeur. Il n'y a pas plus petit commandement que les plus humbles. Et le plus humble de tous fut la passion du Seigneur et sa mort sur la croix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre force et notre salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amant qu'il s'élève avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Petit enfant, qu'on appellera prophète du Très-Haut, lui marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Et annoncera son peuple le salut en rémission de ses péchés. Pour nos pas au chemin de la paix. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père,
Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous.